La Mauritanie, ou la République islamique de Mauritanie, qui a pour capitale Nouakchott, est un état d'Afrique du Nord-Ouest. Elle est située entre 15 et 27 degrés de latitude nord et 5 et 17 degrés de longitude ouest. D'une superficie de 1 300 000 km², le pays compte plus de 5 millions d'habitants selon le recensement de la Banque mondiale en 2018. Avec sa devise « Honneur, fraternité, justice », la République islamique de Mauritanie est marquée par sa politique extérieure, par sa situation géographique à la confluence des régions nord-africaines et de l'espace subsaharien. Nouakchott s'engage activement en Afrique, notamment par le biais de ses casques bleus en Centrafrique. Le 17 février 2014, la Mauritanie, avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, forme le G5 Sahel, un cadre institutionnel de coordination de suivi de la coopération régionale en matière politique de développement et de sécurité. Nouakchott abrite le secrétariat exécutif et assure la présidence tournante de l'organisation depuis le 25 février 2020. Le 30 juin 2020, la capitale mauritanienne a accueilli au titre de sa présidence du G5 Sahel le sommet de Nouakchott. Membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, puis de l'Union africaine, la Mauritanie a adhéré également à la Ligue arabe en novembre 1973 et a participé à la création de l'Union du Maghreb arabe en février 1989. Sur le plan économique, la République islamique de Mauritanie reste liée par un accord d'association à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qu'elle a quittée en décembre 1999. La Mauritanie bénéficie d'un environnement international favorable en 2019 dans le contexte de la hausse des prix des minerais exportés. Selon les données de la Banque mondiale, la croissance économique a considérablement augmenté de 3,6% en 2018 à 5,9% en 2019. Les prévisions de croissance en 2020, initialement estimées en raison de la pandémie de COVID-19, le produit intérieur brut de la Mauritanie devrait en effet connaître une contraction de 3,2%. À la tête du G5 Sahel depuis le 26 février 2020, la Mauritanie passera la présidence tournante au Tchad à la tenue du sommet de N'Djamena.